Johnny. Il demande ce que je fais, je dis je fais pas grand chose, mais de toute façon, j'aimerais ça c'était faire un tour à la maison. Un peu plus tard, Johnny arrive, il me demande de composer une tonne parlée, comme la radio, une tonne pour le faire briller. Je prends mon ancien testament, je vais pratiquer souvent. Vous essayez de composer une tonne de Pape. Vous connaissez Johnny? Vous l'entendez une tonne de Pape à Ouellet? De Pape à Ouellet? Vous connaissez? On décide de descendre downtown à Rome. Et aller faire le tour des églises. Johnny a fait ça, les églises. Fait qu'on a prié toute la journée et toute la soirée. Le bédou faisait jouer du chant grégorien ancien. Puis pas mal de patabouillet. Un nombre et le padre et toutes ces affaires-là, Johnny a fait ça. Mais à un moment donné, c'est décidé. Voulais-tu faire jouer ça, toi, du Pape à Ouellet? Connais-tu ça, du Pape à Ouellet? Je veux dire, si tu fais pas ça, tu vas bien falloir un jour quand t'en es que. Le Pape à qui? Le Pape à quoi? Le Pape à Ouellet. Le Pape à Ouellet. Jouer du Pape à Ouellet. Johnny était content. Tu sais comment est-ce que c'est? Toute la soirée, ils ont joué du Pape, comme les curés de la fabrique. On a dansé, puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu me parler. Il m'a dit d'un creux d'oreille, connais-tu ça, sans sourire? J'ai dit, Dominique, allez, allez. Johnny m'a regardé. J'ai dit, allez, là, c'est du Pape. C'est comme une Pape, c'est. Ça fait que, oui, je Pape. Avec les fidèles, j'en ai. Tout le monde vient me parler. Ça fait que moi, je Pape. Comme l'écurie de la fabrique. Il y a un autre gars qui est venu me dire, ça me provoque. Je